Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Inscription Cases Mode. Aujourd'hui, on peut choisir son deck librement. J'ai bien envie de reprendre le deck fourmi. Voilà, de mettre plein de défis inimaginables, impossibles même. Et voilà, on sera très bien comme ça. Le deck fourmi, c'est un des plus compliqués avec lequel commencer à ce niveau de défi, j'ai envie de dire. Ok, une fourmi, un lézard. Bah, il ne reste plus qu'à avoir le lézard et on pourra débloquer un nouvel item. J'espère qu'on va avoir ce lézard. J'ai espéré dans le vide. Il nous faut des cartes qui permettent de faire des gros dégâts. Et je pense qu'on va prendre le jipette. Dernière fois, le jipette nous avait pas trop aidé. On va aller faire les sacrifices là-bas, je pense. Et aller sur les flammes maintenant. Ok, des dégâts. Ça, c'est bien. Ce serait bien de les avoir sur la moufette, par exemple. Ouais, c'est bien. La moufette, on n'a pas de raison de s'en débarrasser maintenant. Ok. C'est très bien. Très bien, très bien. Bon. Je cherche un lézard. Je vais pas m'interdire le cafard dans cette run. Mais je veux bien un verre de farine. Oh, écoutez, on va interdire l'immortalité encore. Voilà. Avec un peu aléatoire, tu sais. Hop là. Ça permettra de générer ma fourmi. Et oui, un lapin génère une fourmi. C'est pour ça que ça a un intérêt de mettre sur... sur la pingarène. Parce que ça va permettre de commencer tout de suite avec 4 dégâts et 2 unités posées. Et ça, c'est propre. Alors. On va pas faire plus de bêtises. On a failli aller sur une catastrophe. J'ai déjà un verre de farine, pas besoin d'un autre. Une fourmi volante, ça m'intéresse. Ça correspond bien à mon deck fourmi. Bon, qu'est-ce qu'on transfère? Un verre de farine sur une fourmi volante. C'est bien comme ça. Quand on sacrifiera cette fourmi, c'est celles-ci qui seront transférées à la carte suivante. Ce qui, bien sûr, nous met extrêmement bien. Je demande qu'est-ce qui se passe si on sacrifie Garen sur Garen. Voir. Ouais, j'aurais pu faire bien plus. Il aurait fallu que je pioche un écureuil. Pas besoin de fourmis encore. On cherche... Fourmis encore, ok, pas de soucis. Peut-être former un totem pour les insectes. On va prendre évolution. Et là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir sacrifier? Le jipette est nul. Et la moufette, sur quoi on le mettrait? Allez, moufette sur... Non, la moufette a déjà des bonnes stats. Donc il faut qu'on sacrifie jipette sur la moufette. Attends, ah, on peut pas sac... Ah, on peut pas sacrifier sur les fourmis volantes parce qu'elles ont déjà le symbole vol. Oui, c'est plutôt logique. Ok, on arrive déjà au premier boss.
On commence pas avec notre Garen super. Notre super Garen. Mais on va quand même pouvoir faire 4 dégâts. Et ça, c'est bien. Sympa le deck fourmi. Très utile. Une autre fourmi. Là, on va pouvoir se générer des dents. Oh. Bon, on va pouvoir s'en générer quand même. J'avais pas vu que cette fourmi avait ce méfait-là. Très bien. Au dague, on voulait montrer comment ça fonctionne. Donc on va le prendre. Il faut qu'on commence à lui build des dégâts aussi. Bah du coup, il faut absolument pas qu'on aille sur un sacrifice. Parce que sinon il va se retrouver avec l'emblème vol, il va pas pouvoir s'améliorer. Une fourmi, ça c'est bien. Je peux sacrifier cette fourmi qui sert à rien, qui a des grandes chances de mourir souvent. Je vais sacrifier une simple fourmi volante et avoir un os en plus. Comme ça laisse plus de chances de tomber sur Garen en première carte. Peut-être qu'il aurait fallu que je mette sous le rocher. Ici, c'est bien. Ok, ça c'est bien. Je suis très content là. Ça s'entend. Deck fourmi quand il ne faut pas être overpété. Ouais. Ah, j'aurais peut-être dû tester quelque chose. Je voulais voir si le morsal permettait d'augmenter de manière permanente l'attaque de Hodag. Loup alpha, ça peut être intéressant à transférer là. Mais on cherche un lézard, je rappelle. Et on l'aura pas, hein. Un chat, par contre, ça peut le faire sur une fourmi. Et je voulais pas aller sur les totems, moi. Ah, et comment on s'oublie? Elle va sur la fourmi parce qu'elle va survivre plus longtemps. Et qu'on est sur un deck fourmi. Ça pouvait être bien sur la fourmi volante aussi, si jamais il y avait une fusion. Si on fait ça nous permet d'avoir 2 dégâts. Ouais, mais non. C'est un mauvais play. Ou pas. Ça serait revenu au même. Bon. Faut pas prendre de cartes trop chères parce qu'on peut pas les invoquer. Et on cherche un lézard toujours. Ça, c'est bien. Enfin, ça passe, on va dire. Peins-moi. Dessine-moi Garen. Si tu gardes le symbole des fourmis, je suis très content. Ça va. De toute façon, c'est une unité à sacrifier. Là, on va aller fusionner des fourmis volantes, je pense, en haut. Plutôt Garen. Garen est bien en lui-même, il n'a pas besoin de statistiques plus élevées.
Nickel. Bon, on va aller chercher une autre carte à 1. Un chat. Oui, un chat, c'est bien. Là, si on peut voir la tête d'insecte, je veux bien. Lapin. Des lapinous. Et pour la fusion, on n'a pas énormément de possibilités. Donc on va faire ça. Et en soi, on pourrait sacrifier cette fourmi avec morsal sur le chat. Mais c'est quoi le nom français déjà? C'était. Ah, j'ai pas le nom français. Faut que je l'obtienne. Bah super, j'ai Garen. Ça commence super. Ça fait plus de dégâts. Trois unités qu'on va pouvoir acheter grâce à nous. Trois fourrures de loup face à la marchande. Ça tombe bien, c'était plein qui avait le symbole de blocage. Plus de dégâts. Je suis très content de jouer fourmi aujourd'hui. Les méconnus, puces de fourrure, un aspect inéluctable de la pelleterie. Bah oui, c'est une nouvelle carte, on la prend. Est-ce qu'on a une fourrure? Je crois qu'on n'a pas de fourrure actuellement. Il fallait qu'on se procure un totem d'ailleurs pour nos unités de type insectoïde. Et le symbole d'évolution pour les fourmis est nul. Merde. Il aurait peut-être fallu que je cherche le lézard. Ah voilà, insecte. Et on va mettre des lapinous. Comme ça, toutes mes fourmis permettent d'invoquer d'autres fourmis. C'est ça, c'est le pacte avec les lapins. C'est ultra pété. Heureusement que les lapins d'eux-mêmes ne génèrent pas d'autres. D'autres fourmis. Mais là, systématiquement, il faudra que je prenne des fourmis. Alors, lui, il est mort. Donc, on va prendre quelques fourrures. Dont on pourra pas se débarrasser de toute façon. J'aurais peut-être dû prendre le couteau aussi. Là, ces dégâts. Le chat est inutile. Maintenant, il est un peu utile. Un peu agressif aussi. Ok. La puce de fourrure à invoquer manuellement, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de poser la question de la machine à laver. Non, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est de poser une fourrure et que lui s'invoque de lui-même. Comme ça, par exemple. Voilà.
Ok. Lapin permet d'invoquer Garen, qui permet d'invoquer des fourmis et des lapins. Les porc-épics, on va les laisser sur la map. Puisqu'ils me menacent. Oui, c'est très bien. Deck fourmi, for the win. Toutes mes cartes sont fortes. Oh, le lapin! Le lapin a le symbole. Ça, c'est cool. Mais j'ai oublié de regarder le nom, non! Fusion. Ça s'appelle Fusion. Ah, c'est un bon nom. Le risque était trop grand. On va garder le symbole fusion qui est très bien. Non, c'était lapin. Ouais, c'est notre totem, c'est lapin. Alors, il faut qu'on garde des puces de fourrure avec nous. On n'a pas pu encore montrer vos dagues, donc le chat doit disparaître. Et on va le mettre pour une fourmi, ouais. Ah non! Non, c'est con! Ou peut-être pas. Non, ça fait que le lapin qui est généré peut pas être débarrassé de la map. Il sera obligé de rester parce qu'il aura le symbole. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir le montrer. Fallait pas que je fasse cette fusion parce que maintenant ça me donne un lapin qui a le symbole vie multiple. Quoique. Là, on va pouvoir se build un Odag là. Ça va compenser un peu les damage. Ok. On n'est pas encore trop dans la merde. Ok, Odag, c'est la loi de la jungle. La loi du plus fort. 3 dégâts? J'avais encore de la marge, ouais. Donc c'est ça que ça me montre. On va utiliser ceci. Là, du coup, je vais faire 2 et lui va me faire 5. Du coup, je vais quand même pouvoir survivre. On n'a qu'un point de vie, c'est ça? On n'aurait jamais dû poser ce lapin. Là, ça fait 6. Et lui, il me fait 6. Donc, on est à égalité. Non, non, il me fait que... Oh, et on recommence. Je m'accorde ça. Je voulais montrer Hodag. Ok. Deuxième tentative. On a encore notre fourmi qui nous fournit un lapin. Et ce qui est super dangereux à jouer. Donc on va jouer juste notre fourmi comme ça, tout court. Et une fourrure de lapin ici, qui invoque la puce de fourrure, qui me donne un lapin, qui me donne un hodag. Voilà, et comme ça on lui fait 4 dégâts. Là on va pouvoir build un peu de puissance pour notre hodag. Mais je suis bête. J'ai mal joué. Là, il nous fait... Il me fait 3. Et je suis encore pas bien.
Bon, on peut réussir ce combat, il faut juste qu'on fasse pas d'erreur. Quoiqu'œil. Hodak. Là, il me fait que 2. Mon Odag est déjà un peu renforcé. Et là, ce dont j'ai besoin, c'est de fourmis. Parce qu'on a quand même un deck fourmis qu'on a intérêt à bien jouer si on veut gagner. Et on va tout de suite utiliser nos deux items également. Déjà qu'on a un corbeau qu'on peut pas éliminer là où il y a notre fourrure. Ok, et là on fait 5 dégâts et on s'en sort. Ouf! Non! On s'en sort pas! Oi, 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 oi. Oui. Là on va pouvoir s'en sortir. Sa mère! J'avais pas vu! J'avais pas vu. Non. Bon allez, c'est toi, c'est la dernière. Et on passe à la suite. On n'aura pas pu améliorer Hodag, mais on a déjà vu l'interaction. Voilà, il suffisait juste de consommer tous ces items. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant à montrer, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a plein de fourrures et une puce de fourrure dans le même deck et qu'on va voir la marchande. Et bah, on peut rien acheter. Là, il nous dit pas que nos fourrures ne sont pas propres parce qu'elle est morte. Mais normalement, c'est ça qu'il nous dit. Du coup, je vais rapidement vouloir me débarrasser de la puce de fourrure, parce que j'ai déjà pu montrer ce qui m'intéresse. Et ou pas. C'est plus Hodag que je vais sacrifier sur. On peut sacrifier que sur. Ouais, bah sur Hodak du coup. On va mélanger nos deux nouvelles cartes là qu'on a débloquées. Ce qui est pas bête. Le problème c'est d'avoir plein de fourrures dans son deck maintenant. Mais du coup on s'en débarrassera à la dernière étape. Puisque maintenant on n'a plus la puce de fourrure dans notre deck. Un peu plus de dégâts. Mince, j'aurais pu mettre poser la fourrure pour arrêter les dégâts du loup. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ça. Ok. Ok, c'est bon, on a Garen. On va avoir du mal à s'en sortir maintenant.
On utilisera le pot de peinture quand il sera temps. Ah mais du coup je lui fais assez de dégâts et ça passe à l'étape suivante. Du coup j'ai bien fait de tuer deux loups là. Sinon ça aurait été dangereux pour moi. Heureusement qu'il a 2 points de vie celui-là. Absolument qu'on pioche une fourmi. Super. Et là, Hodag. Avec toutes ces fourrures, on va avoir les moyens de s'obtenir un lézard quand même. Je peux pas prendre plus de fourrures là. Ou peut-être que si. Tiens, on va le tenter, tu vas voir. Parce que de toute façon, il nous faut des items là. On va passer à l'étape suivante. Parce que là, ça fait 5 dégâts, oui. Ça va très peu temporiser. Hein. On dit qu'on fait ça. Pas besoin de tuer pour l'instant. Je veux ceci et je veux ceci.
ça permet de faire 5 et passer à la phase suivante. Ouh. Compliqué, hein. On y arrive quand même. C'est à ça que ressemble un vrai combat contre les chi quand tu t'es pas super bien préparé. Et étonnamment, c'était moins dur qu'un combat qui a eu lieu plus tôt. Alors voilà. Là, je fais 6 et je peux faire plus en tuant mon... l'hyperhybride de forme évoluée. Mais je vais pas le faire. Ah, mais l'hyperhybride compte comme une fourmi, donc ça augmente déjà les dégâts de mes fourmis à côté. Ouais. Là, ça met la max. Ok. Et là, c'est bon. Épisode 11 terminé. Youpi. Données corrompues en cas de problème, contactez l'usine de stockage de données Kaminsky. Ok. Et on a débloqué l'œuf étrange. Piocher œuf étrange provoquera son éclosion à 3 conditions. Si tous les chiffres entre 1 à 5 sont utilisés pour représenter les PV des créatures de votre deck. Oui. Super. Toutes les conditions ne sont pas décrites, faudra aller voir le book. Et on a débloqué un nouveau deck de départ. Mais ça, je crois pas que ce sera pour la prochaine vidéo. Et on a aussi débloqué les grizzlies enrôlés. Les grizzlies apparaissent lors des 3 premiers combats de boss, plus 50 points de défi. Là, ça, ce sera pour le prochain épisode. Donc on se retrouve très bientôt.